Extreme. Bonjour, jour 2 ou 3 ? Jour 3. Jour 3 du trip. 3. Et là, on est encore au nord du Pays de Galles. Sauf que là, on va aller bouger, on va monter. Il y a de l'eau un peu plus au nord et dans tous les cas, il faut qu'on arrive un jour en Écosse. Bon alors là, après 3 petites heures de route de ce matin, on est arrivé dans la région des lacs à Newby Bridge. Voilà, on est sur... là, c'est la Leven, juste là, ici. Il est beau ? Ah oui, pas mal. Mais l'atterrissage, c'est dur. Mais il se fait, je pense, mais... On verra. Bon, du coup, là, on va l'embarquer. On a rencontré à l'embarquement un Français qui habite ici depuis 30 ans. Et il nous a dit que sur le parcours, il y avait un petit barrage de 8 mètres qui peut éventuellement se faire. Du coup, on espère qu'on a le bon niveau, mais il paraît qu'il y a quand même pas mal d'eau aujourd'hui, donc ça peut... Il y a de grandes chances que ça se fasse. C'est pour la navette. Let's go River Leven, grosse classique de l'Angleterre. Et bien sûr, comme d'hab, il y a le panneau là-bas qu'on voit très mal d'ici sur la GoPro. No canoeing. Un petit pont en plus, il est super joli. C'est genre un gros trou et en plus il y a un raft là qui est passé. Genre tout le monde s'est fait gerter le cul, genre terrible. Ah,
doit être arrivé au fameux barrage dont le mec nous parlait tout à l'heure. Mais j'ai l'impression que c'est juste un gros amas de pierre en fait. C'est genre. Ah, c'est pas très beau, ouais. Oh bah c'est dégueulasse et ça se fait quand même hein. On va y aller. Dans un vieux village abandonné avec une petite prise d'eau ici. Et c'est genre tout à l'abandon, là. On pourrait faire un petit feu là ce soir, une petite terrasse au calme, nickel. Ah, merci à Laurent qu'on a rencontré au bord de la Leven et plein d'autres kayakistes aussi, c'était très très stylé. Et maintenant on va direction... Merde, qu'est-ce que je dis? Et maintenant normalement on devrait se prendre une grosse pluie dans la gueule. Non. Et si on a de la chance, il va pas pleuvoir dans le camion et ça ce serait fun. On risque de se prendre quelques petites gouttes, mais bon c'est pas si grave que ça. On a les dry suits. Donc voilà, on les mettra quand on dort. Oh yeah. Ça c'est un gros nuage ça. Je sais pas si vous entendez le vent là, mais... Ouais, c'est un peu la tempête là. On essaye de se faire à manger. Wow, putain. Là c'est tendu, il y a comme... Yo. C'est incroyable. J'espère que la tempête ça veut dire qu'on va avoir beaucoup de pluie et qu'on va pouvoir choper la swale demain. Parce que si on chope pas la swale, je vais être vraiment super triste. Mais c'est pas grave, si jamais ça n'arrive pas, c'est pas si grave que ça. Mais bon, on croise les doigts quand même. Là il pleut. Et il fait moche donc allez, on dort et demain on se lève tôt, c'est parti. Extreme. The weather's never good, they're always saying the borders, if they miss on the Jordans,
We never get the good weather, and as you can see today, there's no sunshine. It's a typical Scottish Borders day.